Le Bob, c'est un de vos indicateurs? Lui en indique? Ben, si t'entendais. Non, c'est un vieux copain. T'as jamais entendu parler de l'affaire du Triomphe? Ben, c'est vrai, à l'époque, t'étais pas avec nous. C'est le soir où la ficelle m'a tiré dessus quand j'allais l'arrêter. Bob était là et il a détourné le coup. Pourquoi il a fait ça? Peut-être parce que j'étais sans arme, ou peut-être qu'il a eu peur que la ficelle prenne le maximum en descendant un flic. Enfin, j'ai jamais su au juste. Mais c'est de ce jour-là que Bob et moi, on est devenus amis. Mais c'est un truand, non? Oui, mais il s'est assagi avec l'âge. C'est pas le Bob qui était dans l'affaire de la banque Rimbaud il y a 20 ans? C'est lui, oui. Mais il a payé pour ça, ça l'a calmé. Vous ne croyez pas qu'on aurait dû passer ça à la Sûreté nationale? Et fais attention, comme on est tous regrette. Il y a 10 piges, je sais qu'elle est à double face. Alors, connard, t'es content? T'as gagné. Absolument qu'on sache où il habite, ce mec. Ça tombe, il y a sûrement tous les renseignements qui nous manquent. C'est moi, chef. Mais pourquoi je me laisse toujours faire par ce mec-là? Ah, pourquoi? Personne ne bouge. Amitié serait un bien grand mot. Et on est devenu des sortes de copains. On n'est pas loin de se comprendre. Surtout quand on parle de la pluie et du beau temps.
Bonjour, inspecteur. Je viens d'apprendre que monsieur le président avait eu un malaise cette nuit. J'espère qu'il n'en est rien. Non. Pas mal, une femme a toujours besoin d'un homme pour l'aider. Oui, mais pour en trouver un. Un comme je voudrais. Je vous disais qu'ils sont bons à rien. Cette fois-ci, c'est terminé. Je les laisse dans leur trou. Fini. Oh, merde. Oh, non, non, mets tout ça. Et mon pantalon, alors? Non, là, il charrie vraiment. Pourquoi, tout à l'heure, c'était normal? Non, alors, vraiment. Ah, non, c'est pas nous. C'est pas à toi, ça. Le plein. Puis les lots, ça va? Oh merde! Qu'est-ce que tu fous là? Bah alors, on se paye une toile pendant que les copains travaillent? Vous foutez de moi, non? Bon, ton aide de virer, viens! Moi, je suis viré tout seul! Allez, vite! Allez, oui! Dans 2 mois, on demande une permission et on débarque au festival. Bah oui, mais si la permission n'est pas accordée. Bah on se débrouille, on fera le mur. De toute façon, on y sera, c'est juré. On s'écrit? On s'écrit. Je vous enverrai des oranges. Ok, ciao. Alors là, c'est vraiment le maquis. Il nous manque plus que les Canadiennes et les bérets. Camarade!
TGC 27, National 183. Ben tiens, c'est là, on y est. Ah bah oui, on y est. Oui. Ben ce pays, on y va par le nord, on y va par le sud. Ah, ah merde, moi je suis complètement paumé. Là. Ah mais tiens, il y a du monde. Ah bah dites-moi, mes braves, vous êtes du pays? Bah quoi que ça peut y foutre? C'est des touristes, ils doivent faire de la Vendée. Et ils ont qu'à la faire en chemin de fer. Avec le train, tu prends un billet pour un endroit, t'arrives à cet endroit et t'emmerdes personne, quoi. Je voudrais aller à Thune. C'est pour voir les curiosités du coin. Ah, il y en a plus, elles sont en marche, les curiosités. Mais pour bien voir le château, faut aller par là ou par là? Vous pouvez passer par là ou par là, c'est tout droit. Ah, tout droit, c'est vite dit. À tout droit, ça descend trop, feriez mieux de passer par là. La raison, comme ça, vous passez par le centre du bourg, puis vous voirez la mare du crime. Et attention, est-ce que tu vas déconner, Jean-Mali, hein? Quoi? La mare où un homme époulosière a poussé sa pauvre femme par une nuit sans lune. Langue de vipère, hein? Bah, puis c'est tout vrai, ça remonte à juin dernier. Bon, puisque vous voulez leur donner du crime à ces messieurs-dames, moi, je vais leur le surdonner. Ils sont pas venus de pas des poulières, hein? Les deux poulsons que vous êtes, je vais les envoyer au saloir. Des clépinettes que je vais en faire. Du bousin de la Noël, du pâté de tête. Partons, Gaston, ils ont bu. T'as raison, ils sont morts. Vous avez raison, vous êtes bravés là, ils n'ouettent pas seulement les femmes, ils les violent. Et les chétis, défendez-vous. Je vous attaque pas, pas de la lière. Je fous le tout de les chicots bien en face, hein. En blague. Allez, allez. Vague, vous qui irez. Dites-moi. Votre pinard. Parler, on brèche la radio. C'est ça. Comme ça, tout le monde nous entendra. Il a adoré Maigret. Maigret. Il roupille. Lui, il roupille jamais. J'ai l'impression qu'on me suit depuis que qu'on est entré dans l'entrepôt de Chabut, pas toi? C'est peut-être une admiratrice. Ouais. Elles aiment les hommes grands et forts qui ont de l'autorité là-bas. File par là. Si tu vois un type en chapeau et avec un imperméable, tu te laisses pas sortir. Hein. Moi, je passe de l'autre côté. Vous en pensez quoi, vous, de cette madame Keller? Je pense que les femmes deviennent de plus en plus énigmatiques. Elle est jolie, au moins, cette Josette. Elle mérite une nuit sans sommeil. Béatrice Pompérez. Elle n'a pas l'air bien malade. Il souffre de quoi, au juste? Oui, pas loin. Vous n'avez qu'à lui demander. Grippe diplomatique. Il en a marre de voir la bobine de ses patrons tous les jours. J'aurais dû faire médecine. Je sais pourquoi vous êtes là. Schnee!
nimm doch ein Messer! Das macht nicht so viel Krach! Verbrecherpack! Gib Gas, sonst knallt's! Hinterher! Vêtu en chevalier, 40 fous du roi, tout maquillé, des ombres, nous guettons. Quand je te détesterai, pour que tu le vois bien. Quand je te détesterai, je mettrai ma casquette. Quand tu ne m'aimeras plus, pour que tu le vois bien. Comment je vais rentrer, moi ? Je vais te caler aux champignons avec une lanterne à escargot, papa. Je passerai demain prendre de vos nouvelles.